Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode consacré au calcul tensoriel. Il sera question ici de changement de base. James Joseph Sylvester, mathématicien anglais, il a travaillé sur la théorie des déterminants et a introduit en 1850 le terme matrice. Pour profiter pleinement de cet épisode, il est vivement conseillé d'avoir regardé les trois épisodes précédents. Dans cette vidéo, nous allons nous fixer comme objectif de comprendre les mécanismes de changement de base et la manière dont les composantes d'un vecteur évoluent lors d'un changement de base. Nous allons donner quelques compléments sur les matrices, étudier les changements de base en dimension 1, c'est-à-dire sur la droite vectorielle, en dimension 2, donc dans le plan vectoriel, et enfin, de manière plus générale, en dimension n. Commençons par des compléments sur les matrices. Nous allons nous limiter aux matrices carrées d'ordre n, c'est-à-dire des matrices qui ont n lignes et n colonnes, dont les coefficients sont réels, leur ensemble sera noté M indice N de R. On va noter grand O la matrice nulle, c'est-à-dire une matrice dont tous les coefficients sont nuls. Exemple, dans l'ensemble des matrices de 2, 0, 0, 0, 0. Nous allons noter grand I, une matrice appelée matrice identité, qui s'écrit delta IJ, où delta représente le symbole de Kronecker, puisque cette matrice a tous les coefficients diagonaux qui sont égaux à 1, et les autres coefficients égaux à 0. Exemple, dans l'ensemble des matrices à deux lignes et à deux colonnes, I égale 1, 0, 0, 1. Lorsque l'on additionne deux matrices, on observe que l'addition matricielle a les propriétés suivantes. C'est une loi de composition interne, cela signifie que l'addition de deux matrices carrées d'ordre n est encore une matrice carrée d'ordre n. L'addition de deux matrices est une loi associative, commutative, possède un élément neutre qui est la matrice nulle, ce qui signifie que toute matrice à laquelle on ajoute la matrice nulle donne la même matrice. Et enfin, toute matrice possède pour l'addition un symétrique que l'on note moins A et qui s'obtient en prenant l'opposé de chacun des coefficients de la matrice grand A. Exemple, la matrice 1 moins 1 moins 2, 2, à laquelle on ajoute moins 1, 1, 2, moins 2, est égale à la matrice nulle. On dit que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels munis d'addition est un groupe abélien. Le fait que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels munis d'addition soit un groupe abélien nous permet de définir une seconde opération que nous allons appeler la soustraction des matrices. Puisqu'il suffit d'écrire A plus moins B, où moins B désigne l'opposé de la matrice B, et de remplacer cette expression par A moins B, une nouvelle loi est possible, la soustraction. De manière générale, tout groupe possède une seconde opération, symétrique de la première, obtenue justement à partir de la notion d'élément symétrique. Alors, est-ce que la multiplication possède les mêmes propriétés que l'addition? Autrement dit, est-ce que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels munis de la multiplication matricielle est un groupe? Au début, tout va bien. C'est bien une loi de composition interne, le produit de deux matrices carrées d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n. La loi est bien associative, elle n'est par contre pas commutative. En effet, en général, A fois B n'est pas égal à B fois A. La multiplication possède un élément neutre, qui est justement la matrice identité, ce qui signifie que, quelle que soit une matrice carrée d'ordre NA, A fois I égale I fois A égale A. Et nous arrivons à la dernière propriété, est-ce que tout élément a un symétrique? Alors on va commencer par un exemple très très simple, l'ensemble des matrices carrées à coefficients réels d'ordre 1, c'est-à-dire des matrices à une ligne et une colonne. Toute matrice s'écrit A entre crochets, et si nous prenons cette matrice comme une matrice quelconque, on se demande si on peut trouver une matrice grand A' telle que A fois A' égale I. Le calcul est vite fait, AA' égale 1, ça nous donne AA' égale 1, ce qui signifie que A' égale 1 sur A. Cette opération est possible si A est différent de 0. Autrement dit, dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 1, toute matrice non nulle admet un symétrique pour la multiplication. Mais comme vous pouvez vous en douter, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 1 n'est pas un ensemble très intéressant. Alors passons en dimension 2. Qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2? Eh bien, si nous voulons trouver le symétrique, nous avons à résoudre l'équation suivante. A fois A' égale la matrice identité. Cela signifie que si on prend pour la matrice A les coefficients ABCD et pour la matrice A' les coefficients EFGH, nous cherchons EFGH en fonction de ABCD. Tout calcul fait, nous obtenons que la matrice symétrique s'écrit 1 sur AD-BC
facteur de la matrice D moins B moins CA. Il faut que la quantité AD moins BC soit non nulle. Autrement dit, seules les matrices telles que AD moins BC différentes 0 ont un symétrique pour la multiplication. De telles matrices sont dites inversibles. L'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 inversibles est noté GL indice 2 de R. L'ensemble GL2 de R muni de la multiplication est un groupe appelé groupe linéaire. Et attention, c'est un groupe non commutatif. Alors la quantité AD moins BC qui apparaît ici est appelée déterminant de la matrice A et se note D de A, ou encore les coefficients de la matrice écrits entre barres verticales, et vaut pour les matrices d'ordre 2, AD moins BC. La notion de déterminant se généralise aux matrices carrées d'ordre n. Une matrice carrée d'ordre n est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Nous reviendrons sur la notion de déterminant dans d'autres vidéos. Voici la dernière partie de cet épisode, la partie la plus importante, elle concerne la problématique du changement de base. On considère un espace vectoriel et deux bases, la base B et la base B'. La base B est composée de n vecteurs U1 à UN, et la base B' est composée de n vecteurs V1 à Vn. Les vecteurs de la première base s'expriment comme des combinaisons linéaires des vecteurs de la seconde base, moyennant les coefficients alpha ji, et les vecteurs de la seconde base s'expriment comme des combinaisons linéaires des vecteurs de la première base, moyennant les coefficients bêta ji. Un vecteur quelconque x de l'espace vectoriel aura comme composante lambda 1 à lambda n dans la base b et mu 1 à mu n dans la base b'. La question que nous posons, le problème que nous voulons résoudre, c'est comment trouver les lambda i connaissant les mu j et réciproquement, comment trouver les mu i connaissant les lambda j. Nous commençons par raisonner en dimension 1. Sur la droite vectorielle. La base B se réduit au vecteur U1, la seconde base B' se réduit au vecteur V1, x est égal à lambda 1 U1 ou encore à mu1 V1. U1 s'exprime comme une combinaison linéaire de l'unique vecteur de la seconde base, alpha 1 1 V1 et V1, de même V1 égale bêta 1 1 U1. Les composantes, et plus exactement ici la composante, l'unique composante de x dans la première base, c'est lambda 1. Et l'unique composante du vecteur x dans la seconde base, c'est mu1. On cherche comment passer d'une base à l'autre, comment trouver mu1 connaissant lambda. Pour cela, nous écrivons que x égale lambda 1 u1, et nous remplaçons u1 par son expression dans la seconde base, alpha 1 1 v1. On a donc x égale lambda 1 alpha 1 1 v1, mais x est également égal à mu1 v1. Par unicité de décomposition d'un vecteur dans une base, nous obtenons que mu1, c'est alpha 1 1 lambda 1. Alors faisons le point sur ce que nous venons de voir. Nous avons un vecteur x qui s'exprime dans deux bases, ses composantes sont lambda 1 dans la première, mu1 dans la deuxième. Le vecteur u1 s'exprime comme une combinaison linéaire de l'unique vecteur v1 de la seconde base. Et même chose pour V1 qui s'exprime comme une combinaison linéaire de l'unique vecteur dans la première base, bêta 1 1 U1. Donc X a comme composante lambda 1 ou mu1 selon la base que l'on choisit. Et l'on a obtenu comme relation que mu1 c'est alpha 1 1 lambda 1. Et par un raisonnement analogue, on obtiendrait lambda 1 égale bêta 1 1 mu1. Nous allons exprimer cette relation de manière matricielle. Mu1 B' désigne les composantes du vecteur x dans la seconde base sous forme d'une matrice colonne. Cette matrice colonne s'exprime comme le produit de la matrice alpha 1 1 par la matrice colonne lambda 1. Et même raisonnement dans le sens inverse. La matrice colonne lambda 1, c'est le produit de la matrice bêta 1 1 par la matrice colonne mu1. Écrivons maintenant que mu1 dans la base B', c'est alpha 1, bêta 1, 1, mu1 dans la base B'. Ceci implique que la matrice alpha 1 fois la matrice bêta 1, 1 doit donner la matrice identité. Or, ceci est la définition de l'inverse d'une matrice. Par conséquent, la matrice verte alpha 1, 1 est l'inverse pour la multiplication, c'est le symétrique pour la multiplication, de la matrice violette bêta 1, 1. Les matrices alpha 1, 1 et bêta 1, 1 sont appelées matrices de passage. Voici un exemple, toujours en dimension 1.
le vecteur x est égal à 4u1 ou encore à 2v1. Par conséquent, ses composantes dans la première base, c'est 4. Ses composantes dans la deuxième base, c'est 2. u1, c'est 0,5v1 et v1, c'est 2u1. En appliquant ce que nous venons de voir, en appliquant les formules que nous venons de déterminer, on peut écrire que les composantes du vecteur x dans la seconde base s'obtiennent en multipliant ses composantes dans la première base par la matrice alpha 1. Nous obtenons 2 égale 1/2 fois 4. Effectivement, 1/2 fois 4, ça fait bien 2. De la même façon, réciproquement, les composantes du vecteur x dans la première base, la base B, qui sont lambda 1, ici 4, s'obtiennent en multipliant ses composantes dans la seconde base par la matrice bêta 1, 1. Ce qui nous donne ici 4 égale 2 fois 2. Effectivement, 2 fois 2, ça fait bien 4. Passons à une situation plus réaliste, le changement de base en dimension 2. On se donne deux bases, B qui est composée des vecteurs U1 et U2, et B' qui est composée des vecteurs V1 et V2. On considère un vecteur x quelconque du plan vectoriel, donc en dimension 2. X égale lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, et x s'exprime également dans la seconde base sous la forme x égale mu1 V1 plus mu2 V2. Nous désirons trouver les composantes de x dans la seconde base, connaissant les composantes de x dans la première base. Pour cela, nous écrivons U1 dans la deuxième base. U1 égale alpha 1,1 V1 plus alpha 2,1 V2 et U2 égale alpha 1,2 V1 plus alpha 2,2 V2. Notez bien la position des indices inférieurs et supérieurs. L'indice inférieur est ici l'indice libre, il est lié à U1 et il est lié à U2, alors que l'indice supérieur est l'indice de sommation. Suite du calcul, nous écrivons x comme étant égal à lambda 1 u1 et nous remplaçons u1 par son expression dans la seconde base. Cela nous donne la partie bleue, alpha 1,1 v1 plus alpha 2,1 v2 plus lambda 2 u2. Et nous remplaçons u2 par son expression dans la seconde base, c'est la partie violette. Lambda 2 multiplié par alpha 1,2 v1 plus alpha 2,2 v2. Nous factorisons par v1 et nous factorisons par v2. Nous obtenons ainsi x égale lambda 1 alpha 1,1 plus lambda 2 alpha 1,2 v1 plus lambda 2 alpha 2,1 plus lambda 2 alpha 2,2 v2. Par unicité de décomposition d'un vecteur dans une base, nous en déduisons que mu1 égale alpha 1,1 lambda 1 plus alpha 1,2 lambda 2 et que mu2 égale alpha 2,1 lambda 1 plus alpha 2,2 lambda 2. Résumons ce que nous venons de voir du changement de base en dimension 2. Le vecteur U1 de la première base s'exprime dans la deuxième base sous forme alpha 1,1, alpha 2,1. Le vecteur U2 de la première base s'exprime dans la seconde base à l'aide des composantes alpha 1,2, alpha 2,2. La matrice de passage de la base B dans la base B' est la matrice marquée ici en vert. C'est la matrice obtenue en plaçant en colonne les composantes du vecteur de la première base exprimée dans la seconde base et des composantes du second vecteur de la première base, toujours exprimées dans la seconde base. J'utilise ici la terminologie américaine, qui donc désigne cette matrice comme étant la matrice de passage de la base B à la base B', ce qui est effectivement le cas. Dans la littérature française, vous trouverez l'expression inverse, puisqu'on parlerait ici de matrice de passage de B' à B, alors que pourtant il s'agit bien de passer de la base B à la base B'. Nous voyons ici apparaître la formule de passage de la base B à la base B', sous la forme « les composantes de x dans la base B' s'écrivent comme étant la matrice de passage des alphas ij multipliée par la matrice colonne formée par les composantes de x dans la première base ». Et rappelez-vous, la matrice de passage est obtenue en plaçant en colonne les composantes des vecteurs de la première base exprimées dans la seconde base. Un raisonnement analogue nous permettrait de trouver l'expression de la matrice de passage de B' à B sous la forme des bêta ij. Nous remarquons que lambda 1, lambda 2 dans B s'exprime comme la matrice des bêta ij multipliée par la matrice des alpha ij. Autrement dit, les deux matrices, ce n'est pas très surprenant, sont inverses l'une de l'autre. Mettons en pratique cette théorie sur un cas concret. On se place dans R2, le plan vectoriel. U1 est égal à moins 1, 2, U2 est égal à 2, 1, ce sont les vecteurs de la première base. V1 égale 1, 0, V2 égale 1, 1, ce sont les vecteurs de la seconde base.
On connaît l'expression de x, un vecteur du plan, dans la première base. Ses composantes sont 1, 3. Nous souhaitons connaître les composantes de x dans la seconde base. Première étape, il nous faut rechercher les composantes des vecteurs de la première base dans la seconde base. Autrement dit, il nous faut u1 dans b' et u2 dans b'. L'étape 2 consistera à appliquer la formule du changement de base, c'est-à-dire que pour calculer les composantes de x dans la seconde base, nous utilisons la matrice de passage obtenue à l'étape 1 et nous multiplierons cette matrice par les composantes de x dans la première base. Pour effectuer les calculs de la première étape, nous exprimons les vecteurs u1, u2, v1 et v2 dans la base canonique. En effet, dans R2, les composantes de ces vecteurs dans la base canonique sont égales aux valeurs que l'on trouve dans les couples de R2. Donc exprimons les vecteurs des deux bases dans la base canonique. On peut alors écrire en mettant en colonne le vecteur v1, 1, 0, le vecteur v2, 1, 1, que cette matrice carrée d'ordre 2, multipliée par la matrice alpha 1, 1, alpha 2, 1, est égale à moins 1, 2, c'est-à-dire les composantes de U1 dans la base canonique. On multiplie à gauche et à droite par la matrice inverse de 1, 1, 0, 1, de manière à faire apparaître la matrice identité, qui est l'élément neutre de la multiplication. Ceci nous permet d'écrire que alpha 1, 1, alpha 2, 1, c'est égal à 1 moins 1, 0, 1, multiplié par la matrice colonne moins 1, 2. Nous obtenons moins 3, 2. Autrement dit, les composantes du vecteur U1 dans la seconde base sont moins 3 et 2. Nous faisons de même par un procédé analogue pour le second vecteur U2. Tout calcul fait, nous obtenons la matrice de passage BB' en mettant en colonne les composantes du vecteur de la première base exprimé dans la seconde, et pour la deuxième colonne, les composantes du second vecteur de la première base, toujours exprimées dans la seconde base. La matrice vaut moins 3, 3, 2, moins 1. L'étape 2 est très facile. Les composantes de x dans la seconde base s'obtiennent en multipliant la matrice moins 3, 3, 2, moins 1 par la matrice colonne 1, 3, et nous obtenons 6 et moins 1. Après avoir vu le changement de base en dimension 1 et en dimension 2, nous allons généraliser le changement de base en dimension n. Mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser la notation matricielle, nous allons utiliser la notation de sommation d'Einstein. Nous nous plaçons donc dans un espace vectoriel de dimension n et nous nous donnons deux bases. La première base B est formée des vecteurs U1 à UN. La seconde base B' est formée des vecteurs V1 à VN. Un vecteur x quelconque de cet espace à n dimensions s'écrit dans la première base lambda i ui avec la convention de sommation d'Einstein ou mu i vi toujours avec la même convention. D'autre part, nous possédons l'expression des vecteurs de la première base dans la seconde base au travers des coefficients alpha ji et l'expression des vecteurs de la seconde base dans la première base au travers des coefficients bêta ji. Tenant compte du fait que le vecteur x s'écrit lambda i ui, nous remplaçons ui par son expression dans la seconde base, c'est-à-dire alpha ji vj. Nous regroupons les coefficients, nous obtenons x égale alpha ji lambda i vj. Par unicité de décomposition d'un vecteur dans une base, on peut écrire que mu j égale alpha ji lambda i. Nous reformulons la même expression avec l'indice i, mu indice supérieur i, égale alpha ij lambda j. Comme pour la dimension 1 et pour la dimension 2, nous faisons le point. Nous avons donc les vecteurs ui qui s'écrivent alpha ki vk et les vecteurs de la seconde base qui s'écrivent vk égale bêta jk uj. Ui est donc égal à alpha ki facteur de bêta jk uj. Nous regroupons les coefficients, ça nous donne ui égale alpha ki bêta jk uj. Et là encore, par unicité de la décomposition d'un vecteur dans une base, nous en déduisons que l'expression marron-violette alpha ki bêta jk est égale à delta ji où delta ji représente le symbole de Kronecker. Par conséquent, nous avons alpha ki bêta jk égale delta ji. Nous retrouvons le fait que le produit des deux matrices est égal à la matrice identité. Cette expression est donc une autre façon de dire que les deux matrices sont inverses l'une de l'autre. Dans le prochain épisode, nous parlerons des formes linéaires. Ce sera une préparation à la notion de dualité, qui sera l'épisode 6, où nous parlerons d'espace dual, de base duale et d'espace bidual. Si vous avez aimé cet épisode, que vous n'avez pas trop mal à la tête après avoir vu des indices supérieurs et des indices inférieurs dans tous les sens, vous pouvez mettre un pouce bleu sur cette vidéo.
vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne et cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Commenter la vidéo, cela dope les vues dans l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou encore Twitter. Et si vous voulez, si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, c'est possible à partir de 1 euro, rendez-vous sur le site tipeee.com. Tous les liens sont sous cette vidéo. Par ailleurs, un PDF est disponible gratuitement sur le site www.mathplus1.com. Là encore, le lien est situé sous la vidéo. Merci et à bientôt pour le prochain épisode consacré aux formes linéaires.